Prince Harry, le fils de John Lennon sort l'artillerie lourde, c'est un idiot. Fin mai, Sean Lennon s'est emparé des réseaux sociaux pour s'exprimer sur le prince Harry. Et le fils de l'ancien Beatles ne semble pas porter l'héritier dans son cœur. Suite à ses nombreuses prises de bec avec la famille royale, le prince Harry ne s'est pas fait que des amis. Critiqué par une bonne partie du public, l'héritier l'est aussi par certaines célébrités, qui ne goûtent que peu aux effusions de drames ayant marqué la couronne ces dernières années. En effet, le prince Harry a jeté quelques pavés dans la mare, parmi lesquels ses mémoires, Spare, qui ont fait grand bruit. Dans ces derniers, il s'en prend à la famille royale tout en saupoudrant le tout d'anecdotes gratinées sur sa vie privée. Sean Lennon, fils de John Lennon et Yoko Ono, ne semble pas vraiment convaincu par ce règlement de compte. Il mérite qu'on se moque, le prince Harry critiqué. Ma critique tant attendue de l'autobiographie du prince Harry tient en deux mots. Épargnez-moi, lâche le musicien de 48 ans. Puis d'ajouter, il mérite qu'on se moque de lui après l'épisode du « pénis gelé ». Ça va aller. Pour rappel, dans ses mémoires, le prince Harry révèle avoir été victime d'engelures au niveau du pénis lors d'une expédition au pôle Nord en 2011. Mais alors que Sean Lennon se montrait sans filtre face à l'héritier, plusieurs internautes sont montés au créneau pour défendre le royal et son passé difficile. C'est triste et je ne lui en tiens pas rigueur, mais c'est la stupidité qui me dérange, insiste le musicien. Puis d'ajouter. Ce n'est-ce pas parce que Jay fait une blague que je n'aille pas d'empathie pour lui. En fait, c'est le cas. C'est aussi pour ça que je suis très déçu de sa façon de voir les choses. J'espérais qu'il serait plus intelligent. Sean Lennon pas tendre avec le prince Harry. Cette confidence a également été l'occasion pour Sean Lennon de confier qu'il avait déjà rencontré Harry, par le passé. Encore une fois, l'artiste n'a pas mâché ses mots. Nous nous sommes rencontrés une fois. C'était avant que je ne réalise que c'était un idiot, indique Sean Lennon, en guise de coup de grâce. Face à ce déchaînement de critiques, un internaute a alors suggéré que Sean Lennon était jaloux du fait que Harry soit un auteur à succès. Un argument auquel le fils de l'ancien Beatles a répondu. Je veux dire, je m'en fiche, mais Jay gagnait un Oscar cette année, alors, je pense que je m'en sors pas trop mal.